Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter des photos avec une histoire plutôt creepy, mystérieuse, effrayante, des trucs auxquels on ne s'attend pas et qui ont un lien avec de l'horreur au sens large du terme. J'espère que la vidéo vous plaira, vous me direz en commentaire si c'était des photos que vous connaissiez ou pas. Ce sont souvent des photos qui retracent des périodes de notre histoire. Je trouve ça toujours assez intéressant. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour se plonger dans l'histoire de photos bien étranges. Sur cette photo, on pourrait penser que c'est une vieille carte postale. Il y a juste un détail qui peut attirer notre attention. Bien que l'endroit semble assez paradisiaque, un endroit au milieu de la nature, il y a une infirmière. On arrive clairement à la distinguer, à la reconnaître de par sa tenue. Et bien, il se trouve que c'est la photo d'un lieu qui ne respire pas la vie. Effectivement, bien au contraire, c'est un lieu qui respire la mort. L'endroit qui est représenté sur la photo, c'est le sanatorium Trudeau. On voit qu'il y a une sorte de maison cachée au milieu des arbres, et bien il y en avait à peu près 42 de similaires. Et dans ces maisons, on mettait des patients atteints d'une maladie à l'époque dont on n'avait pas de traitement, à l'époque de la prise de la photo, c'est-à-dire en 1948, des patients qui étaient atteints de tuberculose et qui étaient donc condamnés à mourir. Cette photo-là est une photo qu'on pourrait penser être une représentation artistique, quelqu'un qui fabrique des sortes de statues pour des musées comme le musée Grévin, par exemple. Mais ce n'était pas du tout le cas. Cette photo a un lien direct avec un tueur en série bien connu. La personne qui a été baptisée le Crown Tueur, John Wayne Gacy, qui entre 1972 et 1978 a assassiné 33 hommes. Eh bien, des artistes, des professionnels ont été recrutés pour reconstituer des visages qui avaient été défigurés par le tueur, afin de prendre ensuite ces visages en photo et les diffuser pour obtenir des informations sur les victimes qu'on n'a jamais réussi à identifier. Je ne sais pas si c'est encore quelque chose d'actuel aujourd'hui avec l'évolution de la technologie, peut-être que maintenant on va plus utiliser des moyens numériques pour faire ce genre de choses plutôt que des artistes qui vont effectuer des travaux de leurs mains pour aider la police. Sur cette photo, on voit deux agents de police qui sont en train de creuser un trou dans ce qui semble être un sous-sol. Ça, c'est ce que montre la photo. L'histoire derrière la photo, elle, est assez sordide. Entre 1947 et 1949, un couple, Martha Beck, qui était une femme divorcée ainsi que son petit ami de l'époque, Raymond Fernandez, ont décidé d'assassiner, plutôt au hasard, des femmes qu'ils rencontraient. Ces femmes étaient rencontrées via des petites annonces, et au total, leur nombre de victimes féminines s'écoule à 20 personnes. Ils se sont également attaqués à des enfants. Mais quoi qu'il en soit, ce que montre la photo, c'est le résultat d'une enquête. Après avoir appréhendé les deux tueurs, eh bien, ils ont retrouvé le corps d'une de leurs victimes dans un de leurs sous-sols, enterré sous le béton. Apparemment, la maison où cette découverte a été faite est hantée, et on peut visiblement le comprendre. C'est sûr que ça colle pas mal à des scénarios de films d'horreur qu'on peut voir, où l'explication de la hantise d'une maison se trouve enterrée sous le sol de celle-ci. Cette photo-là n'est pas creepy, mais elle a une histoire, je trouve, très intéressante. On peut voir que le nom sur la tombe est George Washington. Et non, ce George Washington-là n'est pas du tout le très connu président des États-Unis d'Amérique. C'est un tout autre George Washington qui a connu un destin totalement différent que la personne du même nom. Si vous ne le saviez pas, le président George Washington était le premier président des États-Unis. Eh bien, le George Washington à qui appartient cette pierre tombale a été également le premier dans un domaine très différent. C'est que la nuit du 8 février 1924, cet homme a été le premier prisonnier à être exécuté à la chaise électrique au Texas. On peut dire que c'est pas vraiment la même success story que le président Washington. Cette femme est une femme qui est en prison. Elle n'a pas l'air forcément très heureuse d'y être, ou malheureuse d'y être, elle a une expression assez neutre. Mais son histoire est assez intéressante. Il se trouve que la femme sur la photo est Carla Tucker. C'est une femme qui a tué deux personnes alors qu'elle effectuait un vol. Elle a divisé. Divisé pour plusieurs choses. D'un côté, il y avait les gens qui voulaient qu'elle soit exécutée pour ses crimes, et d'un autre côté, il y avait les gens qui voulaient qu'elle reste en vie. Mais les raisons pour lesquelles ils voulaient qu'elle reste en vie n'étaient pas des raisons judiciaires, pas du tout. C'est que, publiquement, Carla Tucker s'est convertie au christianisme, elle disait qu'elle avait changé, et elle a joué entre guillemets de ses charmes pour s'attirer les faveurs d'un certain type de population. C'est pour ça qu'il y avait des gens qui hésitaient à la tuer, qui invoquaient le fait qu'elle avait changé, que ça y est maintenant elle donnait sa vie à Dieu, ce genre de choses. Donc ça a fait débat. Finalement c'est l'exécution qui a été choisie
pour être son destin, elle a été exécutée avec une injection létale. Et il se trouve que c'était la première femme à être exécutée de cette manière au Texas. Ça, c'est une photo qui, moi, m'intéresse particulièrement. Bien qu'on voit pas grand-chose, je trouve que c'est quelque chose de fascinant. C'est une photo qui est censée montrer un bateau fantôme. Le bateau, on ne le voit pas sur la photo directement, on ne voit qu'une sorte de mât avec une fumée, sinon le reste, c'est la mer. C'est un bateau qui s'est retrouvé à la mer suite à un tsunami. De base, il ne devait pas du tout être mis en mer. Le tsunami l'a mis en mer et étant problématique par rapport au passage d'autres bateaux, on a décidé de le couler. Sauf que bien que coulé, le bateau semblait quand même fonctionner, alors qu'il n'y avait aucun marin à son bord. D'où le fait que ce bateau ait été considéré comme un bateau fantôme. Ce qui nous intéresse sur cette photo, c'est le bébé. Un bébé qui portait le nom de Lisa Steinberg. Alors qu'elle avait 6 ans, elle a été battue à mort en 1987 par son père adoptif, Joel Steinberg. Sa mère présente sur la photo, Eda, tient son enfant qui avait alors 6 mois. Et il se trouve que au moment de la prise de la photo, ça faisait pas très longtemps que le beau-père avait adopté illégalement le bébé, Lisa, et que quelques années plus tard, il l'assassine. Cette photo de famille est une photo d'une dynastie royale vieille de 300 ans. C'est la famille du tsar Nicolas II. Et bien le 17 juillet 1918, cette famille royale ainsi que plusieurs de leurs serviteurs ont tous été assassinés. Ce massacre a mis fin à une présence impériale vieille de 3 siècles et ils auraient été assassinés par des bolcheviks qui les avaient fait emprisonner. Pour la petite information, le tsar Nicolas II qui est présent sur la photo est celui qui a mené son pays vers la Première Guerre mondiale. Son pays donc, la Russie. Cette photo montre à quel point certaines maladies à l'époque, car aujourd'hui on a des vaccins, on arrive à les traiter, eh bien justement à l'époque, étaient très dangereuses car considérées comme incurables. C'était le cas de la polio, dont les traitements sont clairement représentés sur cette photo. On ne voit pas directement les patients, c'est normal. Ils sont dans les cuves de métal, sous assistance respiratoire, pendant que les médecins essayent de les sauver du mieux qu'ils peuvent, bien qu'il n'y ait pas de traitement direct comme on a aujourd'hui. Et ils sont là-dedans pour éviter de contaminer d'autres personnes. Autant dire que si tu l'as chopé à l'époque et que tu te retrouvais là-dedans, déjà que le stress n'est pas bon pour guérir les maladies, enfin ça n'aide en rien en tout cas, on peut dire que en plus d'être malade, tu vas te choper un bon stress. J'ose pas imaginer comment tu devais te sentir enfermé là-dedans. Fallait pas être claustrophobe. Et voilà les amis, on en a fini pour cette vidéo. Elle est plutôt courte, je pense. J'ai pas encore vu parce que j'ai pas fait le montage. J'essaye de vous montrer des photos que moi je trouve intéressantes. Après, il y a plein de types de photos avec des histoires derrière. Mais bon, ce sont des histoires qui ne collent pas forcément au thème de la chaîne. J'essaye de vous sélectionner les photos que moi je préfère, qui moi me parlent beaucoup. J'espère que vous avez appris des choses. Je trouve que c'est toujours des trucs assez fous de voir des images du passé comme ça avec leurs histoires derrière et on se dit ah ouais, ok, surtout les trucs des maladies où tu vois à l'époque comment c'était traité alors que maintenant tu vas chez ton médecin, pouf, un petit vaccin et on n'en parle plus. Et d'un côté les avancées scientifiques et médicales et tout, ça a beaucoup de bon, hein. Ça a beaucoup de bon, faut pas se leurrer. Dites-moi en tout cas si jamais vous connaissiez ces photos. Peut-être que vous avez même des informations supplémentaires à donner sur certaines. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est de voir des photos qui sont en lien avec des trucs dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Je pense notamment aux photos en lien avec John Wayne Gacy, vu que j'ai déjà fait une vidéo où je parle un petit peu de ce qu'il a fait. Je trouve ça toujours sympa, des petits rappels comme ça dans d'autres formats de vidéos. Les amis, si vous avez passé un bon moment devant la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut !